Bienvenue sur Africa Cool Télévision, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi, Mbote Nabino, bon début de semaine, Nabino Nyonso. Les lots, Tozabongo Mokolo, le 17 juillet 2023. Tozabino en direct, il y a la ville province de Kinshasa, na Awana territorial. Et pas yopito, bongo kolak sabino, cérémonie, o yokosa le mepa, VPM Fiter Kazadi, et pas yopi, Azabongo ko notifié, ba commandant, il y a la police, il y a toutes les 26 provinces, il y a République démocratique du Congo, Tebike, ba mise en place. Et dernièrement, les lundes de Bazoua Bongo ont notifié mon pour que Bakota en fonction. Tout le monde a aimé son colika Awa, la image à Africa Cool Télévision. Bobo Sanate, bon continuez à aimer et à partager la vidéo. Nabiso, vous abonnez massivement. Tout le monde. Amen. Général. Amen. Amen. Des forces armées et de la police nationale congolaise a signé une série d'ordonnances qu'il m'a confié le devoir de vous notifier. Mais compte tenu de mon calendrier, la charge que j'ai ces jours, je ne saurais pas, ici, dans cette salle, notifier à tout le monde. Je vais juste procéder par la notification des commissaires généraux adjoints, qu'on va lire, et puis la notification concernant ceux qui sont nommés au secrétariat général, à l'inspection générale de la police. Et puis, je ferai mention de la ville de Kinshasa, puisque c'est la ville qui nous accueille. Vous pouvez donner au général. Et les restes des notifications seront donnés, je vais les laisser entre les mains du commissariat général, qui va procéder aux notifications des uns et des autres. Je sais que certains promis sont ici présents et d'autres sont encore à l'intérieur du pays. La cérémonie de ces jours a un caractère de publicité pour que la communauté de la police sache qu'il y a des ordonnances qui ont été signées. Il y a des responsables qui ont été désignés par les commandants suprêmes. Et je pense que nous aurons d'autres occasions pour présenter ou en tout cas faire la publicité nécessaire, étant donné que ces dernières ordonnances n'ont pas été lues à la télévision. C'est un peu exceptionnel, compte tenu du caractère qui a entouré ceci. Puisque je cours derrière les temps, je vais profiter de ces minutes pour d'abord féliciter tous ceux qui sont nommés, encourager ceux qui ne sont pas nommés ou qui ont provisoirement perdu leur fonction. Rappeler à tout le monde
que vous travaillez sous les drapeaux. Il appartient au commandant suprême de confier à qui il veut d'entre vous des tâches spécifiques selon les moments, selon les contextes, selon les besoins. Il ne s'agit pas d'une sanction négative. Si peut-être votre nom ne se retrouve pas parmi les personnes qui sont élevées ou à qui on a confié des fonctions spécifiques. Vous restez tous au service de la nation. Chacun aura son rôle suivant les temps et suivant la demande du moment. J'aimerais également ici rappeler à l'attention de tous que nous devons maintenant essayer de changer les choses. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation pour la sécurisation des Congolais et de leurs biens, pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la société. Mais pour imposer l'ordre et la discipline au sein de la société, la police, comme corps auquel la République reconnaît les monopoles de la coercition, concurremment avec l'armée, la police doit donc se montrer aussi disciplinée et organisée. Puisque vous ne pouvez pas demander à nos concitoyens d'être organisés, d'être disciplinés, si nous-mêmes, nous ne les sommes pas. Voilà pourquoi, moi en tant que ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, je me suis imposé aussi cette discipline de rester dans la limite de mes attributions, de faire que ce que la loi me laisse la possibilité de faire, m'interdire d'utiliser mon statut, mon positionnement pour obtenir des avantages illicites. Je l'ai dit comme ça, pour que vous le sachiez, c'est une discipline que je me suis imposée. Je n'utiliserai pas de ma position pour obtenir des avantages illicites. Et je vous demande à vous, puisque vous êtes la main agissante du pouvoir exécutif, de vous abstenir aussi, disait de votre positionnement, pour obtenir des avantages illicites ou forcer les gens à commettre ce que la loi interdit. Ces pays, nous n'en avons que celui-ci, nous n'en avons pas deux. Nous pouvons tout faire, nous pouvons beau faire, nous pouvons aller ailleurs, construire des buildings, nous pouvons investir des milliards ailleurs. Mais en fin de compte, nous finirons par nous rappeler que nous sommes des Congolais. Si, par amnésie, nous oublions que nous sommes Congolais, ceux qui nous auront accueillis sur leur terre, nous finirons toujours par nous rappeler que vous êtes Congolais. Et nous indiquerons la voie qui conduit chez nous. Et si, entre-temps, nous n'aurons pas arrangé chez nous, nous n'aurons pas organisé notre société, nous tomberons victimes de notre désorganisation. Voilà pourquoi il est impérieux, nécessaire, que nous intériorisons cela.
que les désordres que nous entretenons aujourd'hui chez nous, peut-être puisque nous avons la position que nous avons aujourd'hui, nous faisons les choses croyant que nous sommes au-dessus, les fonctions ont une durée. Ça finit toujours par se terminer. Et on tombe dans la société dans laquelle nous aurons semé les désordres, et les désordres vont nous rattraper. Il faut donc que nous fassions les choses tout en sachant que ce que j'ai fait aujourd'hui aura des conséquences sur moi demain. C'est très important. Vous êtes ici pour la plupart, vous êtes la crème de la police nationale congolaise. L'avenir, le devenir de cette police repose entre vos mains. Nous aurons une police que nous aurons créée, que nous aurons voulu. Même les jeunes qui veulent venir à la police devaient être stimulés par votre comportement. Si donc, vous l'élite, vous n'avez pas un bon comportement, si vous n'avez pas des valeurs qui peuvent séduire la jeunesse, nous risquons demain de commencer à chercher des effectifs que nous n'aurons pas. Chers officiers généraux, chers membres de la police nationale congolaise, c'est un cri. L'alarme que je lance à votre conscience, pour que vous puissiez prendre la mesure de la responsabilité qui vous incombe. Ici n'est pas normalement les lieux pour faire ces discours. Je sais que je ne suis pas encore présenté devant vous dans une séance solennelle, mais comprenez que dans notre société, tout urge. Nous sommes dans une année électorale pleine d'émotions et de tensions. Si vous, de la police, vous ne vous organisez pas pour maintenir l'ordre et la discipline, notre société risque d'en subir un coup. Organisez-vous vite. La population n'a besoin que de cette sécurité que vous lui procurez. Immédiatement après les remises et reprises, nous allons tenir ensemble avec vous une grande réunion pour voir projeter l'avenir de la police. J'ai l'envie d'organiser les états-majors de la police pour que nous puissions faire l'autopsie de nous, d'où nous venons, d'où nous sommes, d'où nous voulons aller. Cela sera décidé avec le commandement de la police. Mais en tout cas, c'est l'ambition que j'ai, à laquelle je vous invite tous à réfléchir sur la nécessité, sur une telle nécessité. Voilà brièvement les petits mots que j'avais. Je vais laisser la parole au colonel qui va procéder à la lecture des non seulement des adjoints au commissaire général, et puis il va aussi lire la deuxième ordonnance concernant l'inspection générale de la police. Donc, c'est déjà. Parler du commandement de la ville de Kinshasa.
Bien sûr. Là, je pourrais moi-même survoler rapidement puisque je dois aller dans une réunion où l'on m'attend. Du 7 juillet 2023, portant nomination au sein des directions et services centraux et de formation nationale spécialisée du Commissariat général de la Police nationale congolaise. Le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/030 du 28 mars 2023, portant nomination au sein des directions des services centraux et de formation nationale spécialisée au sein du commissariat général de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu hors d'ordre. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom au sein des directions. Portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise. Le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/032 du 28 mars 2023, portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 2 et 3. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu, ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Abba Van Ant, François Xavier. Alimasi Biganangwa, Joseph. Amadou Kiala, Virginie. Awashango Oubia, Vidal. Azengue Badunwabi, Jean-Bernard. Bideko Mourabasi Juvenal, Agwake Mongakabu Stéphane, Galenga Makongo Jean Bosco, Ilunga Luyoyo Ferdinand, Ilunga Mweze Alain, Kamaya Umina Kanold, Kamanga Mwanantenda Joué, Kamon Mukas Odette, Kapen Chibon Henri, Karawadengamo Louis II, Kasongo Kitenge Silvano, Kyungu Banda Paulin, Limengo Joli Doubia, Lombodé Rogédéon, Losa Ekili Roger, Mugabo Kiana François, Nonda Kinji Jean Bosco, Ngoi Senge Wakio, Singavola Roger, Niembongalo Chaplacide, Nzila Mena Kuntima Alain David, Odiba Okito Dieudonné, Palangana Wesh Elvis, Zabiti Abdallah Patrick, Dariel Kisak Longin, Chibango Tumbila Elias, Chinyama Itambo Dodo, Yav Mukaya Jean. Article 2. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire adjoint les commissaires supérieurs principaux de la police nationale congolaise, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Abangapa Kwanzege Henri, Amisi Nyembo Poyo Albert, Balepukai Mwakadi Isaac Bertin, Bassa Isasaka Léon, Jabwine Wamuhiyo John, Ewa Bogula Sébastien, Ekofoje Madonatien, Kabasele Tianana Valentin Kali, Kabeya Makosa François, Kantou Bakoulou Israël, Kilou Koulubika Jean-Petit Jean, Kitumaini Asumani Dieudonné, Kongolo Kambale Christian, Lodunga Tiangunga Dona, Lukesu Louébi Francis, Makambo Gimba Fidel, Matangi Molo Dengo de Gaulle, Moba Ndongila Joachim, Mpasi Zankatu Kanga Gabriel, Mpianampo Ibodwa. Mukuna Ntumba Eredi Leonard, Mulanga Chiseke Nibeti, Murula Mwenze Pades, Muteba Kachale Narcisse, Mwanamputu Mpung Pierre Rongo, Kanga Ifunga Jean-Rémi, Nzala Ebola Tade, Nzomono Mwanisa Achille, Omokoko Itanio Polidor, Wasongolo Andiana Claude, Yahweh Soumanda Bertin, Yoka E Ikota Mafredi, Mbula Kilimali Bablaise, Isiyo Itenasinga Roger, Longange Kasengo Edo, Kalonga Chinyama Albert, Matombe Lolo Leonard, Mbombo Manda André, Mbiansu Mouhouli Prosper, Ngunza Wangunza Karl, Katumba Ibulungu Placide Prosper, Yangonga Kazongo Angel,
Chandende Anjoun Lobéli, Kabeya Chani Manya. Sont approchées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Fait à Kinshasa, le 7 juillet 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloko Ndekiengé, Premier ministre. Les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/034 du 28 mars 2023 portant nomination des commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de défense entendu ordonne, sont nommés, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom au sein du commissariat général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commissaire général adjoint chargé de la police administrative. Commissaire divisionnaire Abba Van Anne François Xavier. 2. Commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire. Commissaire divisionnaire Tibangu Toubila Elias. 3. Commissaire général adjoint chargé de l'appui et gestion. Commissaire divisionnaire Galenga Makongo Jean Bosco. La décision prise par le commandant suprême, conformément à la thèse de l'instruction générale de la police. La sincère félicitation. National congolais, le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/035 du 28 mars 2023 portant nomination au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous spécifiées en regard de leur nom au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Inspecteur général, commissaire divisionnaire principal, Mouchidia Philemon Patient. Oui, général, je vous notifie la décision prise par le commandant suprême, conformément à la tête de l'inspection générale de la police. Et sincères félicitations. Il y a plusieurs ordonnances. Hein. Je pense qu'au total, c'est 5 ou 8 ordonnances. Il y a celle portant nomination au sein des directions des services généraux et des formations nationales spécialisées du commissariat général de la police nationale. Vous trouverez par exemple à la direction générale des écoles de formation le général Awashango, le commissaire divisionnaire Awashango, qui est le directeur général. Direction de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda, qui est le directeur. La direction des renseignements généraux, Kabasele Chamana Valentin Kale, directeur. Direction de protection civile, Nzila Menakuntima Alain David, directeur. Direction de la police des frontières, Lombo Delo Gédéon, directeur. Direction des voies et des communications fluviales, lacustres, maritimes et ferroviaires, Kyungu Banzapolin, directeur. Unité de protection des institutions et autres personnalités, Chinyama Itambo Dodo, directeur, commandant plutôt. Légion nationale pure d'intervention, c'est comme ça, l'ENI. Le commissaire divisionnaire adjoint, Kabeya Chanimanya Mike, commandant. Direction de police technique et scientifique, commissaire supérieur principal, Mbiansou Movuli Prosper, directeur. Direction de la lutte contre la criminalité, Balepukai Mwakadi, directeur.
direction des télécommunications et nouvelles technologies, Kalemba Makengo Jean-Romain, directeur, direction de la lutte contre la criminalité économique et financière, Kiluku Lubinga Petit Jean, directeur, direction des stupéfiants, Omokoko Okitajo Polidor, directeur, direction de l'identité judiciaire et fichier central, commissaire supérieur principal, Okeyum Evariste, direction du bureau central national Interpol, Matangi Mbolo Dego de Gaulle, directeur, service des statistiques, Kavachi Kambale Gilbert, directeur, chef de service, direction des ressources humaines, Moulanga Tshisekedi Betty, directeur, commissaire divisionnaire, Kalonga Chinyama Albert, directeur. Là, c'est direction des budgets et finances. Direction de la logistique, Nzomono Nwanisa Achille, directeur. Commissaire supérieur, c'est commissaire divisionnaire, Amatou Nkiala Virginie et directeur chef de service, gestion et entretien des infrastructures, service de transmission et télécommunications, commissaire divisionnaire Kamon Mukaz Odette, service santé, commissaire divisionnaire Kamanga Mwanantenda Jo, directeur chef de service, service des affaires sociales, commissaire divisionnaire Ilungalu Yoyo Ferdinand, directeur chef de service, service de l'informatique, Matombe Lolo, directeur chef de service, directeur des études et planification, Alimasi Bigamnangwa Joseph, directeur, service d'information et de communication, commissaire supérieur principal, Mwanamputu Mpung, directeur chef de service, service de coopération policière, Kalenda Moulaja Etienne, directeur chef de service, groupe technique de la sécurisation des élections, Kitumaini Asumani, coordonnateur, service juridique et contentieux, Ngunza Wangunza, Karl, directeur chef de service, centre national de commandement, de contrôle et de coordination, Mbombo Manda André, commandant, cellule réforme de la police, Eboa Gobula Sébastien, coordonnateur. Voilà. Ils recevront leur notification chez le commissaire général. Ensuite, il y a l'ordonnance portant nomination des catégories de commissaires divisionnaires. Ça, c'est ce qu'on venait de lire. Il y a l'ordonnance portant nomination des commissaires généraux adjoints. C'est ce qu'on venait de lire. Maïndombe Karawa Dengamo. Mukaya Jean. Nord Ubangi Nzala Ebola Tade. Sankuru Murula Mweze. Murula Mweze. Sud Ubangi Tanganyika Wasongolwa Ngana Claude. Chopo Kabeya Makosa François. Chwapa Mutebaka Chale Narcisse. Et enfin, Ituri Ngoi Sengela Kyo. Voilà, je n'ai cité que les commissaires provinciaux. Il y a leurs adjoints qui vont être notifiés par les commissaires généraux. Les écoles, je pense que ça va se découvrir au niveau du secrétariat général. Secrétariat permanent, je me donne vraiment cette exigence d'élire, c'est pour souligner l'importance des
de cette structure qui semble être négligée alors que c'est elle qui devait, qui est, je dirais, la maternité de tous les policiers. J'ai lu, en lisant, je vais faire les messages, faire passer les messages que nous attendons plus de cette structure quant à la gestion de la police en général, et que cette structure puisse prendre vie. J'aimerais ici souligner que ce ne sont pas des fonctions qui font l'homme, mais c'est l'homme qui fait ses fonctions. On peut vous désigner en n'importe quelle fonction, du moment où vous y mettez du sérieux, vous verrez tout le monde envier. Et je me demande pourquoi le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la police nationale congolaise n'a pas toujours fonctionné. Le commissaire divisionnaire adjoint Pianampouy-Baudouin, il est dans la salle? Il n'est pas là. Il est en voyage. Et ok, c'est lui le secrétaire permanent. J'espère bien que il va redonner vie à cette structure. Il a comme secrétaire permanent adjoint le commissaire supérieur principal Abassé Aïssé Kabali Diédoné. Lui aussi n'est pas là. Il est à Lubumbashi. Voilà. Bon, quand ils seront ici, nous aurons l'occasion de les rencontrer pour que nous puissions nous donner des orientations. Et enfin, il y a des nominations au sein du secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police. Le secrétaire exécutif, c'est le commissaire divisionnaire Kanakange Kapela Jonas. Il est dans la salle? Ifunga Jean-Rémy. Félicitations. Nous comptons sur vous pour la réforme de notre police. Les ordonnances telles que signées par le commandant suprême. Alors, je demande au commissaire divisionnaire adjoint, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, avec toute son équipe, de procéder à la remise et reprise dès demain. Comme vous le savez, Kinshasa fait face à l'insécurité et que le commandement doit être assuré pour la poursuite des efforts engagés par votre prédécesseur. Nous aurons le temps de nous voir et nous parler. Il en est de même du commissaire provincial du Haut-Katanga, du Nord Kivu, du Congo central et même du Sud Kivu, qui doivent rejoindre leur poste de travail et procéder à la remise et reprise sans délai. Les Kassai orientales également, ce sont des provinces habitées à des problèmes d'insécurité auxquels vous devez apporter une nouvelle énergie. Le commandant suprême
attend de vous l'ordre, la discipline et surtout la paix sociale. Je voudrais également souligner à cette occasion mon engagement personnel à faire respecter les droits humains. Vous veillerez à l'application stricte de la loi. Vous agirez dans la limite de ce que vous reconnaît la loi. Quelles que soient les situations difficiles qui se présenteront devant vous, référez-vous d'abord à la loi. Agissez conformément à la loi, rien que conformément à la loi. Voilà ça fait 3 jours que le général Patience n'arrête de monsieur les cotes pour les billets de ceux qui doivent aller en province. Je lui laisse la charge de s'en occuper, de rejoindre le plus rapidement leur poste, surtout dans les provinces que je venais de citer. Vous savez, la lourdeur administrative, il ne faut pas passer beaucoup de temps ici attendant les billets. Parce que si le commandement est cassé et qu'il intervient des situations incontrôlables, ça ne va pas être agréable pour nous tous. Voilà, général, je pense que vous m'en avez suffisamment parlé. Je comprends peut-être que vous voulez vous dégager de la responsabilité. C'est le rôle d'un bon général, plaider pour sa troupe. Et moi, à mon tour, je plaiderai également pour que les moyens soient donnés à notre police en général et à tous ceux qui ont bénéficié de la promotion ou qui ont été nommés à des fonctions pour qu'ils aient les moyens nécessaires, non seulement de se rendre à l'air. Nous allons nous arrêter par là. Je vais, de manière officielle, transmettre au commissariat général les notifications pour que finalement cela soit notifié à chacun d'entre vous. Sur ce, je pense avoir épuisé l'ordre du jour et que nous pouvons arrêter cette réunion par ici. Je vous remercie. Nayebi Makamweza Kozela Biso na ville province à Kinshasa. Solo en quelque sorte ezo sala somme. Mais na makambo to uti kozwa ba instruction ya mukozi na biso ministre intérieur na ba instruction uti ko pesa na banzi ete makambo wana toko bunda pe ko kitisango parce que na mukili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler maso po makambo wana ekita toza na programme aussitôt bâti au wana nyonso ekozala programmé na o babengi planification, c'est-à-dire improvisation moko ekozala te, cas par cas ekozala traité au bon moment. Et dans les 3 mois na 100 amis satwana o bamso babenga 100 jours, je crois que résultat muke ya ndunda balona ki ekomona. C'est bon, c'est bon. Ça va être bien.
dans des situations comme ça. Au district de Founa Kalamu, je suis passé chef département de la sécurité publique. J'ai été commandant second de cette ville, c'est-à-dire l'adjoint du général Kasongo, à la première nomination. Et je reviens d'une province proche de celle-ci qui est le Congo central. Donc je pense que les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud, c'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ce comportement, vous allez payer. Notre problème, c'est le comportement. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans le comportement. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. Non, on doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là, qui existent déjà, pour faire ce travail-là. Merci. Ouais, c'est bon. Merci. Général, nos deuxièmes félicitations. Ah, vos ordres, mon général. Oh, bien. Général. Ah, vos ordres. Oh, bien. Général. Général. Ah, vos ordres, mon général. Oh. Yeah! Yeah!
Africa cool, et a ben cool, ouais. Africa cool, a ben cool, le quoi cool ma topi, Africa cool, toujours, Africa cool, toujours, Africa cool, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans de temps pour nous inscrire. Donc, ils ont vraiment été au bas de la caca. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Afrique cool. Yo moni ba chaîne Eza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Africa cool, et ben cool, ouais. Africa cool, ouais ben cool, le quoi cool ma topi, Africa cool, toujours, Africa cool, toujours, Africa cool, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance.